Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Sidoxy, on se retrouve aujourd'hui pour un petit match NU contre Jonathan. Donc on a fait un premier match, il m'a sweepé avec son Vivillon. Voilà, j'ai mis des petits trucs, mais c'est vrai que c'était un petit peu une putain de menace à ma team. Et je joue ce poké qui a pas été capable de tanker une attaque sans boost. Donc très déçu de toi Crabbeybey, très très déçu, franchement très déçu. Enfin bref, je sais pas par qui va commencer. Mais dans tous les cas, moi je vais envoyer Seismitoad pour placer les pièges d'or, parce que vous voyez que dans sa team il a Vivillon et Galopa, donc ce que je trouve plutôt cool comme poké. Ok, c'est parti, good luck, have fun. L'iPod. Ok, Leopardus. Le problème de Leopardus, c'est qu'il va avoir beaucoup de sets possibles. Provoque est tout à fait envisageable. Ça, j'aurais peut-être dû faire ébullition. Je m'attends plus au bluff, qui est assez commun. Maintenant qu'il est plus être joué avec Swagger. On va voir ça tout de suite. Ok, il fait bluff. S'il est life orb, il aura... Ah, je sais pas s'il a tank le life orb. Je pense pas, hein. Et bon, dans sa team, vous pouvez voir qu'il y a une grosse faiblesse haut. Du coup, je vais peut-être faire ébullition maintenant. Demi-tour, peut-être. Provoque, c'est bien ce que je pensais, mes amis. On anticipe quand même un petit peu, on est chaud. Ébullition is real. Oh, les dégâts. No burn. C'est la tristesse. Alors, teinte, ébullition, je vois pas trop ce qu'il peut me faire d'autre. Enfin, teinte, etc. Je vais faire sabotage sur le switch, ou s'il reste, bah, il aura plus sa life orb. Ça bluffera beaucoup moins de dégâts. Là, ça en fait pas beaucoup. Alors, combien j'ai fait deux, en tout, je sais pas. Kuba, ok, donc il décide de le tuer. Ça fait des bons dégâts, mine de rien, ça fait des dégâts. Tac, c'est Mitaud, il est pour des biches. Ok, donc il a plus que... Enfin, au prochain coup, il meurt. Du coup, moi, ça va me permettre de regagner un petit peu de vie. Et comme je suis provoque, je vais switcher sur Seracrawl. Alors, bluff. Attends, est-ce qu'il a sabotage? Kuba? Non, je pense pas. Je pense qu'il va refaire Kuba, là. Je pense qu'il va refaire Kuba. Je vais essayer Seracrawl. Kuba, ouais. Je vais faire toxique. Si jamais il décide de me provoquer, bah c'est tant pis. S'il me provoque pas, c'est tant mieux. Alors franchement, j'ai dans cette team, c'est bizarre, j'ai 3 pokés avec toxique. Et si j'avais joué le curse avec ce poké là, j'aurais été très très bon quand même. Voilà, donc là il switch. Il envoie Camera Rupt. Bon, pourquoi pas, hein, je pense que ça peut être une bonne idée aussi. Toxique. Hop, ça va un petit peu l'affaiblir. Je sais pas si c'est un caméra offensif ou défensif, on va voir ça maintenant. Il est offensif. J'espère que Seismitoad peut en tanker deux. Parce qu'il est plus orienté défense. Au cas où Seracrawl meurt. On va voir les dégâts maintenant. Puissance cachée plante. Oh tu mens. Oh tu mens. Bien joué. Je peux pas mettre les pièges d'or, je suis dégoûté. Ah, oh, je suis dégoûté. Bref, GG. Oui, nomade. Je réfléchis. Je vais faire frappe Atlas. Je pense qu'il est choice. Dommage que j'ai plus Seismitoad Dao. J'ai encore Krabos, je pense que c'est plus important. Même si Krabos avec... Non, en fait j'aurais jamais dû perdre Seismitoad,
C'est dommage, c'était une putain de menace à sa team au niveau type et le fait d'avoir les pièges de rock. C'est chiant. Donc là, il switch, bon, il va perdre 50 PE, c'est déjà ça. Là, il part, donc là, il part meurt. J'ai éternué. Bon, je vois pas ce qu'il peut m'envoyer ensuite. Genas, Rhinocorne. Rhino Féroce. Peut-être. Galopa. Fancy. Ah, Vivillon. Donc il m'envoie Vivillon. Hé hé, j'ai une semi, on va voir s'il va. S'il va s'en rappeler ou pas. Je vais faire toxique. Yes! Yes, je le savais! Yes! Ok, cool. C'est bonne ça, c'est très très bonne. Vous savez pas à quel point c'est bonne. Hop. Celle-là, il est obligé de se booster pour me faire des dégâts. Ou me faire bourdon, mais bon, il me fait 40%. Enfin, c'est déjà ça, vous allez me dire. Il fait papillon danse, donc voilà, il décide de se booster. Les dégâts. Sauf que Vivillon n'a pas beaucoup de PV. Hein. Ah là je me dis qu'il peut refaire papillon. Qu'il peut refaire papillon danse. Mais je pense que je perdrai dans le champ si je fais pas. Ouais, il me fait bourdon. Je pense que je résiste hein. J'ai quand même une nomade BG. Je résiste plutôt correctement. Là ce que j'aurais aimé, vous voyez, c'est porter mes couilles. Et faire vœux, mais bon, je perdrais trop dans le chance en fait. Là, je vais tout simplement faire un petit protect des familles. Et bon, je serai à quelques PV. Et voilà. J'ai plus de PV, bon, voilà. Vent violent, pourquoi pas. En Vivillon meurt, ça c'est bien, parce que je précise que le dernier combat il m'avait explosé, hein, il m'avait sweep. Ça j'avais très mal joué aussi, moi je savais pas que Hypnomade pouvait le contrer aussi bien. Je pensais qu'à cause de son type j'étais mort mais voilà. Par contre je suis tellement dégoûté d'avoir perdu Seismitowl, le Bejaï. Je sais pas si alors parce que Seismitowl faisait un bien meilleur taf sur sa team. Surtout pour ce poké. Un petit peu de chiant. On va faire abri. Merde je peux pas faire de abri. J'ai fait n'importe quoi! Ah, je fais n'importe quoi! C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, j'ai pas grand chose pour tanker le bout de feu. J'en vais écrire bye bye. J'ai une très bonne défense. Il avait Smogo, hein, faut pas l'oublier. Du coup, je vais faire un petit petit sabotage en anticipant le Smogogo. Ok. Là, je vais faire Pince-Masse. Vu que vous inquiétez pas, j'anticipe le Will-O-Wisp. Juste pour faire plus de dégâts. Ok, ah, il fait tonnerre. Ok, je suis face de combat. Hululop! Oh non! Putain! Je vois un ici. Refait tonnerre. Easy. Quatre soins. Balance, bon. Moi aussi j'ai balance. Ah, bref. je vais faire Balombre. J'aimerais bien le tuer. Allez, putain. Je suis live fort en plus. Le follet. D'accord.
Donc je le tue, mais je perds trop de vie. Je pense que comment il s'appelle? Rhinophéros? Non, Rhinocorn. Rhinophéros, c'est un truc. Rhinophéros. On va me faire chier. Je sais plus lequel est Rhinocorn, lequel est Rhinophéros. Je crois que c'est Rhinophéros, c'est celui qui va envoyer. Mais il va me faire chier parce que je l'ai jamais vu. En fait, je sais pas sa vitesse exactement. Ce serait bien qu'il m'envoie maintenant. Ça en est tranquille. C'est bon, il va y avoir un bug là. Non, pas de bug, pas de bug. Ok. On va répéter hash. Je l'ai fait le meilleur choix. Je vais faire ballon. Il me dépasse. Hein. On fait clair flou, on a anticipé le. Le Trabos. Je vois Serra Crawl. Je fais un petit coup d'avalanche. Il peut envoyer Caméra, putain. Je sais pas lequel est le plus rapide, mais j'aurais pas ma vie là-dessus. Quoique, je sacrifie Krabos. Oh, c'est Lidl qui me sert plus à rien. Quoi qu'il me sert plus à rien. Éruption. Ou avec le peu de PV qu'il a. Ok, je résiste. Elle en perd encore plus des PV. Allez, pince masse. Oh, bye bye, c'est suicide. Le problème, c'est que je sais pas lequel est le plus rapide entre les deux. Entre Rapidash et Lidl. Et entre Krabos et. L'autre. Bon, je pense qu'il va bout de feu là, il peut rien faire bout de feu. Attendez, j'ai fait un truc. Slash data. Right. Oh. Alors, slash. Putain, je sais pas c'est quoi son prénom en anglais. Data Finder. Ah, il a 75 de vitesse quand même, Kindler. C'est pas n'importe qui, hein. On le respecte. Hein. Désolé pour la perte de temps, mais. Savoir si je le laisse à 9 PV ou si ça sert à rien. Magneton. Rhydon, voilà. Et Rhydon, il a. Il doit pas avoir beaucoup en fait, c'est un gros truc roche en plus. Il a 40. D'accord, bah je vais envoyer Serra Crawl. Alors gros bout de feu in the face, hein, ça c'est sûr. Voilà. Le truc c'est que je le tank. La queue boss. Putain, mais la queue boss. C'est quoi ce poké avec ses 40 millions de défense? This thing is too strong. Bon, je fais soin. Est-ce qu'il me tue? 8 PV.
Je vais refaire soin. Ah mais c'est... Oh la brûlure. Ah non mec. Ah c'est trop moche. Du coup je peux pas rester au prochain. Je crois que c'est Aracrawl. C'est un des seuls Poké qui a tour rapide et un move de son. Si je me trompe pas. Hein. Je crois qu'il y en a un autre. Delibird peut-être. Avec son... Avec son roost. Et je crois que c'est le seul. Hein. Ouais, enfin, rapide fin kill parce qu'on est des fous. Ah non, on peut pas. Dommage. Bon, de toute façon, Rhyhorn nous aura dépassé. Oh là, Miss Poké est ouf en fait. Ce Poké est ouf. C'est Aracrawl, il pèse. C'est pas possible de peser autant dans le game. C'est pas possible. Donc, ça, j'aurais pu faire recover, tout ça, donc c'est pas grave. Hein. Dans tous les cas, j'aurais jamais été full vie, donc ce serait bloqué sur un move de type rush. Et dans tous les cas, je serais mort. Mais je vais envoyer les Dell. Voilà, là, c'est le duel des champions. Il est trop stylé. Il est vraiment trop stylé. J'envoie les Dell. C'est histoire d'eux, hein. C'est vraiment... De toute façon, il meurt dans tous les cas. Donc c'est... Ouais. Imaginez focusage ou quoi. Voilà des dégâts pitoyables. Hop, les dégâts de recul, le lame de rock, la puissance, le power, le destruction. Je sais pas comment je vais mon crabeau, je sais pas si j'ai mis PV à attaque. Ah c'est chaud, ça va jouer maintenant, ça va jouer sur la répart, ça va jouer sur l'objet, ça va jouer sur plein d'éléments bizarres. Et... Non. Ok, bah je gagne. Ok. Bon, bah voilà, j'ai bien fait de garder mon... J'ai bien fait de garder mon Poké. 1-0, match très serré. J'aurais pu envoyer Krabos directement, il gagne 2-0. Mais comme je vous l'ai dit, c'était pour jouer sur T. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce combat. C'est l'adversaire que j'ai affronté. Il s'appelle Ratata Rex Uber sur Shodan Canal Wifi. J'ai joué un match OU avec lui. Je sais plus si je l'ai posté ou pas. Faudra vérifier en tout cas. J'ai bien aimé ce match NU. Si je devais faire une petite critique sur ma team, ce serait vraiment le Krabos Veste de combat qui m'a déçu. Je vous conseillerais plus de jouer si vous voulez jouer aussi. Lifeform. Puisque je vous le rappelle qu'il a la capacité spéciale sans limite. Donc il booste éboulement et c'est tout. Et voilà. Donc voilà. Merci encore à Tata Rex Uber pour ce match. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve pour un prochain combat. Bye!